Fut l'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une poire dans son égalité. Le Dieu suprême, il s'abaisse en lui-même avec. Lui Jusqu'au bout. Le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois. Peut-être deux ou trois personnes peuvent le faire ce matin. Faites-le fort si vous le faites. Seigneur, on voit ce qui se passe actuellement dans le monde et puis euh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours des, comme tu nous l'as dit, il va toujours y avoir des, des guerres et des bruits de guerre, peu importe, Seigneur Dieu. Mais un jour, comme on vient de le chanter, tout genou va fléchir le genou devant toi parce que tu es le vrai, le seul Seigneur des Seigneurs. Que ce soit de pleine volonté, Seigneur Dieu, qu'on va te louer comme étant notre Seigneur des Seigneurs, mais un jour, ceux qui t'auront rejeté aussi vont devoir plier le genou. Personne ne va y échapper, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, on te proclame et on te déclare aussi que tu es notre Seigneur ce matin et c'est par l'Esprit qu'on peut le dire parce que tu nous as touchés ce matin. Alors, puisses tu Seigneur, toucher le cœur du plus grand nombre ici au Québec, au Canada, Seigneur? Et touche ton Église, Seigneur. On a tellement besoin de toi. On a besoin d'une visitation de la repentance aussi, Seigneur, au Québec. Accorde un vrai réveil, Seigneur, je te prie. Merci, Seigneur Dieu. Peut-être une autre personne veut le savoir.

Et merci parce que l'œuvre pleinement accomplie de Jésus est appliquée dans nos vies. Seigneur, ce matin, maintenant, on veut faire comme le peuple d'Israël. Écoute, Israël. Et Seigneur, on veut entendre ta parole afin qu'elle déloge chacun des idoles dans nos vies, dans nos cœurs. Que cette foi qui, a, qui va être mise au feu pour être purifiée, Seigneur Dieu, soit seulement concentrée sur Jésus-Christ, l'auteur et le chef de notre foi. Alors bénis ce temps, Seigneur, ce matin. Cette parole qu'on va recevoir, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre les yeux et illumine notre cœur, Seigneur Dieu. On te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bonjour à tous. J'ai perdu l'habitude que mes pages ne bougent pas. Là. On va remettre au Seigneur. Seigneur, d'abord, on veut vraiment te remercier de nous avoir premièrement rachetés, de nous avoir sauvés d'avoir payé notre dette à la croix et d'avoir pourvu aussi à ce que des gens viennent vers nous pour nous annoncer la seule bonne nouvelle sur terre, celle que Dieu nous a tellement aimés, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, d'abord, merci énormément de nous avoir rachetés. Seigneur Jésus. Et Seigneur aussi, d'être notre berger et de nous amener dans les œuvres que toi te préparées d'avance afin qu'on y marche. Et c'est en marchant dans justement les œuvres que Te préparées, non pas pour repayer notre salut, parce que c'est un don gratuit, mais c'est le moyen pour te connaître pour vrai, afin de ne pas rester juste dans une théorie biblique mais de vraiment, comme tu dit toi-même, Seigneur Jésus, quand tu prié, puis Jean l'a écrit au chapitre 17 de son évangile, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, toi Seigneur Jésus. Alors, merci énormément pour tout. Merci de bénir aussi la petite équipe qui se prépare à la fin du mois prochain de partir aller réparer, Seigneur Dieu, le bâtiment justement en Haïti. À cause du tremblement de terre, il y a eu quelques fissures. Que tu puisses les protéger, les bénir, les garder en dessous du radar, Seigneur Dieu. Et merci pour toute l'équipe dans le village, tous ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui font la nourriture pour les enfants, euh, les écoles, les églises avec lesquelles on participe depuis des années. Merci de bénir la région, Seigneur Dieu. Et on prie encore pour que en Haïti, vraiment le peuple, Seigneur Dieu, qui crie vers toi. Tu le dis dans ta parole. Quand le malheureux crie. L'Éternel entend. Seigneur, ce peuple crie vers toi pour trouver la paix et la sécurité. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, viens à leur secours. Et merci de continuer à bénir aussi tout le travail qui se fait avec l'équipe de Pasteur kujo et puis aussi Pasteur Joe au Ghana, et puis euh, tous ces gens qui sont formés pour aller annoncer l'Évangile dans les villages au milieu de la brousse. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir pourvu pour toutes les nouvelles motos pour pouvoir se rendre dans ces villages. Et Seigneur Dieu, c'est tellement béni de voir ton action agir quand tous ces villages se tournent vers toi et qui reçoivent, Seigneur Dieu, le don le plus important, la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci de continuer à bénir la faculté aussi avec son doyen, le docteur Angé, et de continuer à pourvoir généreusement aux besoins de la faculté. Merci Seigneur Dieu, encore une fois, de nous amener avec toi dans ton œuvre. Parce que ce n'est pas la nôtre, c'est ton œuvre. Merci encore une fois. Merci d'ouvrir, encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, notre cœur à ta parole. Car toi seul peux nous instruire à l'intérieur de nous, afin que ce ne soit pas juste de l'information intellectuelle ou comme un genre de philosophie de vie. Mais que ce soit vraiment l'illumination que tu produis en nous, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'on marche dans ta lumière. Car, comme il est dit dans un des psaumes, c'est par ta lumière qu'on voit la lumière. Et si tu nous demandes maintenant de réinterpréter toutes les choses, on ne peut pas le faire juste avec notre intelligence naturelle. Tu dois illuminer notre entendement, Seigneur Dieu. Merci de venir à notre secours dans le précieux nom de Jésus. Amen. de prochaine, on va faire la sainte cène ensemble premier dimanche du mois et puis euh, de se rappeler encore une fois que c'est vraiment un repas simple que le seigneur Jésus nous a demandé de faire en mémoire de lui de la même manière que demandé à Israël de faire la fête à chaque année de la Pâque de l'agneau qui devait annoncer le véritable agneau de Dieu qui viendra un jour vraiment nous délivrer du pharaon de ce monde et là, c'est un rappel entre nous sans arrêt. Maintenant, on va voir dans l'épître aux Hébreux, la foi d'Abraham. Et si vous remarquez, dans le chapitre 11, l'auteur ici va développer beaucoup plus sur Abraham que tous les autres qui ont commencé à parler. Parce qu'Abraham, je ne sais pas s'il a réalisé à quel point il a été choisi de Dieu par pure grâce pour être le commencement. De l'œuvre d'un jour l'incarnation de Dieu qui viendrait sur terre en Jésus-Christ pour payer notre dette. C'est quand même spécial. Fait qu'on va lire la parole, OK? Donc, Hébreu 11, à partir du verset 8. Vous êtes prêts en haut, c'est beau? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, qu'il fut mis à l'épreuve, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le retrouva-t-il par une sorte de résurrection. qu'on va arrêter ici pour essayer maintenant de voir ensemble comment ça peut s'appliquer à nous. On voit ici qu'Abraham, dans le livre de Josué, Josué rappelle à Israël qu'Abraham, 400 ans auparavant, avait été choisi par le Seigneur au milieu d'une nation païenne. Donc, il n'est pas choisi, et ça c'est rassurant pour chacun de nous autres, il n'est pas choisi parce que Dieu a trouvé quelqu'un de spécial. C'est Dieu qui fait de quelqu'un quelqu'un de spécial. Et ça c'est très important pour nous de toujours se le rappeler. Et c'est pour ça que Jésus, quand il parle à Israël, qui comprenait mal le but de la loi que Dieu avait donnée par Moïse, le but de la loi, c'était encore une fois pour freiner le mal. Ça n'enlève pas le mal, ça fait juste freiner le mal. Et deuxièmement, ça identifiait le vrai problème que Dieu viendra un jour régler. Le péché se manifeste par les transgressions. C'est comme ça qu'on manifeste notre rébellion envers Dieu. Et là, Jésus leur dit, Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour ça que Abraham qui a été choisi par pure grâce a été rendu capable de marcher avec le Seigneur et ce qui est vraiment fascinant dans la parole de Dieu, c'est pas un livre qui a été écrit pour faire des héros. Trop souvent on parle trop de ces gens-là comme étant des phénomènes et puis on essaie de faire de eux la raison pour laquelle Dieu a pu faire quelque chose. C'est totalement le contraire. Dieu s'est choisi un homme qu'il ne le connaissait pas du tout. Abraham était un païen. Il n'avait aucune connaissance de ce Dieu. Il vivait dans une nation, dans une cité, et carrément, comme l'auteur nous l'a rappelé, puis si vous retournez dans la Genèse, il faisait partie d'une société bâtie depuis des longtemps. Une société, finalement, qui vit de sa justice propre, qui vit de son autonomie et qui inévitablement vit en opposition avec Dieu. Et Abraham est choisi par pure grâce. Est-ce que vous vous rappelez, eh bien, si vous lisez, pas, vous lisez trop vite votre Bible, vous allez remarquer finalement que des gens pensent que Dieu a choisi Noé pour le sauver parce qu'il était juste et bon. Mais il y a un petit passage juste avant. Il dit, juste avant que Dieu définisse qui est Noé, juste et bon, il dit, et Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Dieu s'est toujours préservé au travers de toute la lignée humaine des gens. Et c'est ce que Paul nous rappelle. Je sais que c'est une doctrine qui scandalise tout le monde, cette affaire-là. Mais tant pis, pour votre petite justice propre, ça ne dérange pas bien, Eh ben, bien, finalement, ça nous montre que Dieu s'est toujours préservé des gens. Et quand Dieu, finalement, veut montrer aux gens à quel point ils sont perdus, eh bien, il est souvent dit il retire sa main puis il laisse les gens aller à eux-mêmes. Et là, on manifeste nous-mêmes notre propre humiliation. Donc, c'est important, finalement, de réaliser que Dieu s'est préservé tout le long de l'humanité, des gens, pour que le mal n'ait pas la victoire suprême sur la création de Dieu. Parce que selon, finalement, le mal, ben, la Terre aurait été détruite depuis longtemps. Pensez juste à aujourd'hui. fait deux ans, là, finalement, qu'on niaise avec un petit virus qui fatigue la planète, là. Là, on commence à peine à entendre nos gouvernements dire « Ok, il faut prendre un petit break. » Il y en a un qui a pris le relais. Un petit épais finalement. Il paraît qu'il mesure juste 5 pieds 5. Des petits poutres, il essaie de devenir quelqu'un de grand. Là, il tyrannise. Il est en train de faire peur à la planète au complet. C'est quand même fascinant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein? Mais, savez-vous quoi? Ce que ça vient fatiguer dans notre vie, ça vient fatiguer un aspect où chacun de nous, c'est tout à fait normal, on cherche la sécurité, on cherche la paix. Mais en réalité, notre seule paix et notre seule sécurité est en Jésus-Christ seul. Et il y a une vérité que Dieu veut nous rappeler toujours. N'oubliez pas, vous êtes des voyageurs et des pèlerins sur terre. En d'autres mots, personne sait la journée que le Seigneur va permettre qu'on va s'en aller dans sa présence. Et donc finalement Abraham, il vivait dans une ville, il vivait en passant dans une société qui était très développée. Et puis finalement quand Dieu l'a appelé, ben ça l'a un peu déstabilisé. Et puis si on lit dans la Genèse, ben c'est son père qui semble avoir pris un peu plus au sérieux, peut-être en disant, wow, mon fils selon les divinités, parce que c'est un païen monsieur là. Tu sais, « Eh bien, mon fils va devenir un monarque, il va devenir quelqu'un d'important d'un nouveau peuple. » Mais la parole de Dieu avait dit à Abraham, « Sors de ton pays, sors de ta famille, sors de chez vous. » Il devait partir seul. Mais au début, c'est son père avec ses fils qui sont partis, puis le neveu, jusqu'à Charan. Et puis là, ben, il a fait une business dans une autre ville. Il a passé d'une ville à une autre ville. Il reste encore, on pourrait dire, dans la, on dire, la, la mentalité naturelle. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas dans le naturel. Et c'est pour ça que ça nous déstabilise, ça nous rend nerveux. Maintenant, quand son père est mort, est mort eh bien, Abraham est parti avec sa femme et son neveu Lot. Et il est parti, comme il dit ici, vers un pays où il a vécu dans des tentes pensez pas que c'était habituel pour lui, là. N'oubliez pas, il d'une. Il y a des archéologues qui ont découvert la ville d'Our, d'où venait. Et puis, c'est une ville qui était tellement bien organisée, contrairement à où il est venu vivre. Par exemple, juste les égouts. Ça a l'air de rien, c'est quand même agréable de vivre dans un pays qui a des égouts fermés, pas vrai? Fatigant, ça de vivre, où est-ce que vous voyez finalement le... vos déchets sortis de la maison là, dans la rue? Eh bien, lui, vivait dans une société très bien organisée, très sécuritaire, très prospère, et Dieu l'appelle à devenir un gars qui va vivre en camping. Ça devait être intéressant, le soir, les discussions qu'il y avait avec sa femme. Hein? <laughs> Chéri, c'est quoi c'est quoi là, ton histoire encore? Non, non, Dieu, il dit qu'il va faire de nous autres un peuple nombreux. Oui, mais ton Dieu, là, il savait-tu que j'étais stérile, moi, là? Es-tu au courant? C'est le fun en plus de voir que Dieu choisit un couple pas capable d'avoir des enfants pour faire une postérité. Dieu, il est trop tripant. Il aime ça avoir du plaisir avec nous autres pour nous rappeler en disant Oubliez pas, je ne peux pas compter sur vous autres. Je fais exprès de choisir une madame qui n'est pas capable d'avoir des enfants. C'est le fun, ça. Quand vous vous regardez et vous êtes déprimé de vous voir, là, arrêtez de vous contempler. C'est la chose la plus déprimante qu'il n'y a pas sur la planète. Adorez le Seigneur Jésus-Christ, tournez-vous vers lui et soyez fascinés de dire, hey, c'est vrai Seigneur, avec rien tu peux faire des choses incroyables. Donc le vrai but de notre vie avec toi, c'est de discerner ta volonté plutôt que de vouloir devenir des personnes importantes. Si on discerne ta volonté, on a discerné un trésor incroyable. Marcher avec Dieu. C est, c est, ça donne un sens à une vie qui, en dehors de lui, honnêtement, est-ce que vous trouvez que notre vie ferait du sens sans Dieu? Honnêtement, là. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, mon père disait, non, non, foutaille à l'école, foutaille à l'école. Tu sais. Moi, je ne sais pas, depuis que j'étais tout petit, euh, je n'ai jamais aimé, aimé ça à l'école. Je trouvais ça tellement plate, c'était pas croyable. Puis en plus, j'étais gaucher. Dans ce temps-là, là, là, tu te faisais chienner par la maîtresse, première année, deuxième année. Il fallait que j'écrive de la main droite, je ne suis pas capable. Puis, ben, je continuais toujours de la main gauche, pareil. Et puis, finalement, je me demandais, je disais, ah, Papa, tu sais, pourquoi il faut que j'aille à l'école? Il dit, non, c'est pour que tu aies un bon travail plus tard. Un bon travail. Oui, oui, c'est un bon travail, là, tu vas pouvoir t'acheter des choses. Peut-être quand j'étais petit, je me disais, acheter des choses. Hey, c'est ça le but de la vie, acheter des choses? C'est plate. Et puis finalement, j'ai des amis qui sont morts jeunes. Je me rappelle, il y avait un gars bien gentil à l'école. Et puis un jour, on a appris qu'il est mort parce qu'il a vu une voiture arriver qui s'en venait frapper sa, sa petite amie. Et puis il a, il a couru pour pousser sa petite amie pour la sauver. mais La voiture l'a frappé, lui, puis il en est mort. Puis là, on se demandait tout. Hey, il est rendu où, là? Putain. Puis, à toutes les fois qu'on est dans un salon funéraire, eh bien, c'était comme un peu, voici le but de la vie. Ça, c'est le terminus. Puis Je me dis, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui veut le rentrer encore. C'est quelqu'un qui peut aller l'ouvrir la porte? <laughs> Et puis, finalement, si on n'a pas l'espérance il n'aurait pas pu vivre cette vie-là. Il, il a quitté finalement une vie sécurisante. Il a vécu une vie finalement bien organisée pour suivre le Seigneur, pour s'en aller dans une vie qui contrôle rien. Il va vivre dans une tente comme un, un nomade errant. Il va vivre comme un voyageur et un étranger dans une terre étrangère. En plus, que Dieu lui a promis, et puis l'OTAN nous rappelle ici, rappelez-vous, ils ont. Aucun d'eux, ils sont tous morts sans obtenir les choses promises. Mais ils ont vu que c'était pas en vue que ça arrive maintenant. C'était en vue. Ils ont vu de loin. Ils ont salué. Ils ont commencé à comprendre. Et c'est pour ça que l'auteur nous rappelle en disant si ils voulaient faire la vie avec Dieu, une meilleure vie sur terre. Tu sais, pour mieux s'organiser, être plus prospère, bâtir une plus grosse ville, avoir une plus grosse armée, je ne sais pas trop quoi, là. Eh bien, ils auraient été déprimés. Non, ils ont réalisé que ce n'était pas pour ici. Tout ce qu'on vit présentement, c'est pour ce qui s'en vient dans la nouvelle création. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait des hauts et des bas. Tant mieux quand ça va bien. Mais ce n'est pas obligé que ça aille bien tout le temps. Pensez à tous nos frères et sœurs en Ukraine en ce moment, là. Puis pas juste Moi, je suis sûr qu'en Roumanie et puis dans tous les autres pays autour de se demander quoi, c'est-tu le commencement d'un petit boss de Bécasse, là qui veut s'en aller finalement conquérir pour se donner un nom? Selon certains euh, historiens, ce petit monsieur-là, qui est un petit complexé chronique, là, il voudrait être écrit éventuellement dans les livres de l'histoire de la Russie. Il veut devenir quelqu'un après sa mort. Oui, c'est un insignifiant. Comme le pont entre nous autres. Combien de gens vivent leur vie pour devenir quelqu'un, plutôt que finalement d'apprendre à servir le Seigneur pour savoir, non, ce n'est pas ici que ça va se passer. Faites attention d'avoir une vie chrétienne dans le but, je ne sais pas moi, de, de réussir mieux ma vie, que ma famille soit plus euh, merveilleuse. Que... Écoutez, faites attention. C'est trop facile de vouloir voir Dieu comme un génie dans une bouteille. Et puis après ça, de frotter pour avoir les, je sais pas moi, les trois vœux qu'on aurait le droit. Là, tu sais. Lui, finalement, il est parti d'une vie confortable, organisée. Et une vie, finalement, très organisée en vue de ne pas avoir à dépendre de Dieu. Et là, maintenant que Dieu l'appelle, dépendre de Dieu, Dieu l'amène dans la désorganisation de sa vie pour le restant de ses jours. Et en plus, il va vivre plus de 25 ans avec toujours... Le seul plan que Dieu dit, Garde, je, vais donner, je vais donner ce, ce pays-là un jour, la terre promise. Puis rappelez-vous, finalement, en hébreu, il n'y a pas de mot pays, c'est eret, c'est terre. Quand on parle de la terre promise, c'est encore une fois une image de ce que Pierre nous rappelle, que Ésaïe, des centaines d'années plus tard, va prophétiser que le ciel nous a promis un jour de recréer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est là que va habiter la justice pour toujours. Comme il dit ici, ces gars-là, à un moment donné, s'ils voulaient faire une vie chrétienne ou une vie de, de, de foi en Dieu, en pensant que ça va faire qu'ils ont quitté quelque chose pour quelque chose de mieux, il y aurait eu amplement le temps de retourner à leur ancienne vie, qui était beaucoup plus confortable, beaucoup plus organisée, qui même à leur vie naturelle faisait plus de sens que de marcher avec Dieu dans quelque chose qui ne semblait pas marcher. Écoute, 25 ans, attendre une promesse de Dieu pendant 25 ans que ta femme va te donner un fils et ça va être le début d'une postérité, puis ça ne marche jamais. C'est long, ce 25 ans, quand ça ne marche pas. Pas vrai? Tu sais, un bon, tu te dis, écoute, on s'est tu trompé. Et puis le monsieur, finalement, il était très ordinaire, il n'était pas si spectaculaire que ça. Vous vous rappelez quand il passait aux douanes, qu'est-ce qu'il disait? <laughs> C'est ma sœur. Ce n'était pas un gros mensonge, c'était ce qu'on appelle une menterie. Parce que finalement, c'était sa demi-sœur. Fait qu'il s'arrangeait pour sauver sa vie. Mais il faisait ça au détriment de sa femme. Puis en plus, au détriment du plan de Dieu. Vous vous rappelez un jour, quand ils sont passés aux douanes en Égypte, il dit Rappelle-toi, là, dis-le là, que tu es ma sœur parce que tu es tellement belle que quand ils vont te voir, s'ils savent qu'on est marié, ils vont me tuer. Et puis, ils vont te prendre. Parce que dans ce temps-là, c'était grave de prendre la femme d'un gars marié. C'était moins grave de le tuer. Au moins, veuve après. C'était plus légal. Non, mais on est aussi épais aujourd'hui en passant. Hein? Tant que l'enfant n'est est pas accouché, tu peux le tuer. Les gens sont épais à ce point-là. Il ne faut pas penser, finalement, qu'on devient tellement plus intelligent. Là. On tue 30 000 enfants par année. Puis le gouvernement est surpris qu'il nous manque du monde pour commencer à travailler. On devrait leur dire, si tu veux, on peut te payer un petit cours de mathématiques pour tourner à l'école. Alors, je ne veux pas en parler, ça va gâcher ma, le message. Alors, finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Ce n'est pas qu'Abraham est si phénoménal que ça, mais c'est quelqu'un qui a appris jour après jour, malgré ses échecs. Il a vu à quel point le Seigneur l'a protégé parce que quand Pharaon a pris sa femme, et puis en plus pour avoir la faveur de son frère, il a donné finalement des troupeaux d'animaux, il a donné des servantes, des serviteurs, tu sais, il l'a béni il a prospère. Et puis le Seigneur s'est mis à frapper Pharaon et sa maison. Et je ne sais pas comment il a su, il devait avoir des devins peut-être à l'époque. Il dit Écoute, non, ce gars-là, il a discerné, ils ont discerné qu'il était, était marié à ce gars-là. Il dit, pourquoi tu m'as fait ça? C'est quoi? Non, non, parce que tu sais, moi je suis arrivé dans un pays, je me dis, ici, ils ne croient pas en Dieu. Combien de fois les chrétiens ne vont pas manifester leur foi dans des lieux où on ne on croit pas en Dieu parce qu'on a peur que ça ne marche pas? On a l'impression que, que Dieu peut juste opérer où il <laughs> y a des gens qui croient en lui. Non, Dieu, il a pas besoin finalement qu'on soit dans une population qui croit en lui pour être capable de faire quelque chose. Dieu a manifesté, encore une fois, à Abraham. Écoute, moi, je garde mon plan. Et puis, on pense qu'il l'aurait fait juste une fois, mais il l'a fait deux fois. Il l'a fait une deuxième fois avec Abimelech. Moi, ça m'encourage de voir leur faiblesse, leur manque, parce que quand tu lis la parole, tu as le choix. Ou tu vas contempler des héros, passer d'être comme eux autres pour devenir un héros, ou bien tu contemples le Seigneur pour savoir comment on vit et on dépend de lui. La parole de Dieu nous enseigne comment dépendre de Dieu, comment s'attendre à lui, ce qui va désamorcer dans notre vie de plus en plus la chair pour que l'homme nouveau en nous soit de plus en plus fortifié et que notre foi en Dieu soit de plus en plus concrète, réelle, en fonction de la fidélité de Dieu. Donc, ils sont morts sans avoir vu les choses parce que ce n'était pas pour ici et maintenant. Et c'est encourageant pour nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous a rappelé... N'oubliez pas, vous êtes des voyageurs et des pèlerins sur terre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas organiser vos vies. Organisez vos vies, planifiez vos vies, il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas surpris que les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous le pensez. Continuez à chercher la volonté de Dieu et à marcher avec lui, jour après jour. Et puis en même temps, d'avoir une connaissance pas simplement théorique de Dieu, de ne pas avoir une foi seulement intellectuelle. Pour vraiment le connaître, il va falloir qu'on apprenne à lui faire confiance. Et le Seigneur va lui-même s'occuper de nous. Et un jour, eh bien, il va venir nous chercher. Et puis, le monde va finir bientôt. Je ne sais pas, le, moi je suis sûr que sur Internet, ça va être plein de gens qui voient euh, Gog et Magog arriver. là. Hein? Vous allez voir plein de gens vont euh, pensent que Poutine, c'est l'antéchrist qui s'en vient. Puis... Euh, c'est pas grave. trois générations, on a toujours vu Clinton, il a pas, passé pour. Euh... <laughs> ça n'arrête pas. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, quand le Seigneur va revenir, selon la parole, il s'en vient pour mettre un terme final à l'antéchrist. Inévitablement, on va être obligé, comme Paul le dit aux Thessaloniciens, on va voir l'homme d'iniquité. On va le voir un jour. C'est pas grave. Parce que, finalement, quand Dieu. Jésus-Christ va venir lui-même régler le problème une fois pour toutes. Ben, il fait comme un pays. Un pays, avant de faire la guerre à un autre, qu'est-ce qu'il fait avec ses ambassades dans le pays? Il les relève. Il dit, OK, il fait sortir toutes ses ambassades. C'est le signe qui déclare une guerre. Et c'est pour ça que juste avant son retour, il va y avoir tout l'enlèvement de l'Église. Tous les croyants vont disparaître d'un seul coup. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, on va se retrouver dans les airs avec le Seigneur. Et puis, pour revenir avec lui, ça fait que tant qu'on n'est pas parti, bon, bien, arrêtez de vous demander si c'est l'Antéchrist qui, qui vient de rentrer en Ukraine. que vous en tête avec ça? Quand ça va être le temps de partir, ce n'est pas nous autres, de toute façon, qui doit faire nos petites valises pour partir. C'est vraiment le voyage le plus et le plus facile au monde. Hein? Bien, il y en a plusieurs qui voyagent souvent. c'est Le seul passeport qu'on a besoin, c'est d'avoir été racheté par le Seigneur. Tu n'auras même pas besoin de petites valises, de passeport, de vaccins, de rien. Et puis en même temps, il dit en un instant, en un clin d'œil. Tiens, tu sais, un clin d'œil, c'est vite, hein? clic' Tu sais, fais-toi. Clic. Clic. On est devant le Seigneur. Wow! Puis ça devient temps. on redescend tout ensemble. Ah ouais! Mais avec nos corps glorifiés. Écoutez, on s'en va vers une vie absolument incroyable. Pour l'instant, le Seigneur nous demande simplement, faites-moi confiance. Et puis on peut, comme eux autres aussi, saluer, on voit au loin, par la parole de Dieu, voir au loin ce que Dieu nous a promis. Lui-même nous bâtit une cité. C'est l'architecte d'une vraie cité que le Seigneur va bâtir un nouveau monde, créer un nouveau monde qui va être quelque chose de fabuleux. Pensez-y, ça doit être quelque chose de spécial. Tu sais, il y en a qui font tout pour dire Hey, on s'en va au Mexique Mais quand tu t'en vas au paradis, c'est bien plus que le Mexique, ça. Tu comprends? Puis c'est un buffet à volonté. Puis tu peux manger sans grossir. <laughs> on s'en va finalement. Écoutez, on est. Nous autres les croyants, là, malgré que les temps ne vont pas bien, oui, il va y avoir compassion des gens du dehors qui n'ont pas d'espoir. Oui, on va essayer de soulager comme on le fait. De, parce que le Seigneur nous demande de soulager les gens, de faire des soins palliatifs, comme j'ai dit la semaine passée. Ou Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou à une autre église, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est des soins palliatifs. On soulage la misère des gens. Mais ça ne réglera pas la misère finale des gens. C'est pour ça que j'ai bien de la misère avec des gens qui croient dans des partis politiques chrétiens. Moi, je pense que finalement, il faut juste gérer, tu sais, mais je ne pense pas que les chrétiens ont la solution finale pour établir un royaume chrétien sur Terre. Parce qu'on voit, vous avez juste à faire un cours d'histoire de l'Église, vous allez voir que ça a monté, ça a descendu. Puis même des fois, les institutions religieuses sont devenues violentes envers ceux qui leur montraient « tu wow, t'es pu selon la parole de Dieu ici ». Ces gens-là se sont fait tuer par des églises, pas n'importe quoi. Puis à un moment donné, même certains ont séduit l'Église pour dire « On va aller libérer la terre promise qui était Israël », puis ils ont fait des croisades, puis ils ont massacré du monde. Faisons attention de ne pas perdre de vue le vrai but final que la parole de Dieu nous donne. Même si les gens nous accusent de ne pas être assez pratiques. C'est pour ça que, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que l'Église reste un chandelier dans un monde ténébreux. Puis l'Église doit continuer à annoncer la seule bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qui sont ses ennemis. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné la deuxième personne de la Trinité. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu nous délivre de sa colère, de sa juste colère. Même si nous, dans notre petite justice propre, on trouve que ce serait trop dur, la colère de Dieu, eh bien, soyons comme tous ceux qui ont cru en Dieu. Il y a raison d'être en colère. On détruit sa création. Que ce soit par la pollution, que ce soit par les guerres, que ce soit les crimes, les meurtres, les vols, les mensonges, tout ce qui se fait partout, là. Écoute, c'est une horreur. Mais le Seigneur veut délivrer. Et c'est pour ça qu'il nous dit il va nous sanctifier, nous transformer à l'image de son Fils, et face à nos propres ennemis, il nous demande de les bénir. Si vous comprenez, ça va vraiment à l'encontre de notre justice propre en-dans de nous, hein, de bénir quelqu'un qui te fait du tort. Seigneur. Tu sais. Puis il dit Si ton ennemi a faim, donne-le à manger. Si Yassouf donne à boire. Donc, le seul qui peut vraiment nous transformer pour vrai, puis fortifier en nous la nouvelle nature qui nous a donné, que créé, comme Paul dit, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis qui compte, c'est d'être maintenant une nouvelle création, comme il dit aux Galates. Et maintenant, que l'homme nouveau en nous soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans des temps où notre chair est troublée comme toutes les autres chairs sont troublées. Tout le monde est troublé en ce moment, c'est normal. Tout à fait normal. Les médias, finalement, ils n'arrêtent pas de nous rappeler toutes sortes de choses. Moi, je suis sûr que ça doit user psychologiquement bien du monde, à force d'écouter les nouvelles. Maintenant, si vous êtes fatigué, bien, fermez la télé. pensez à d'autres choses, allez prendre une marche, et puis parlez avec le Seigneur. Puis rappelez-vous, finalement, que ce n'est pas ici que ça va se régler le problème. C'est quand il va venir nous chercher. C'est quand il va venir mettre un terme final. C'est pour ça que, même au début de la pandémie, il y a plein de gens qui m'écrivaient, qui me demandaient de prendre position. Tu sais, euh, contre le vaccin, contre tout, contre. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ah, oh, si tu as tu peur? Non, non, c'est parce que, regarde, moi, je vais essayer de régler les problèmes que je peux régler avec les moyens que j'ai. J'ai pas de moyens, là. Non, non, mais c'est la Banque mondiale qui est en train de s'organiser. Bien, écoute, au mieux, je peux juste aller voir la caissière pour parler avec elle. <laughs> c'est ce qu'elle fasse. <laughs> fait qu'écoute, ben, moi, la seule solution que j'ai, là, c'est pour toute l'humanité, que ça aille bien ou que ça aille mal. Pour moi, il y a juste un vrai combat. J'organise ma vie pour sortir le message de l'Évangile. Parce qu'en dehors de ce message-là, de parler de l'œuvre de Jésus-Christ à sa croix, et il est mort par imputation de nos fautes, pour ressusciter le troisième jour, comme il l'avait dit à ses propres disciples, et même ses disciples, il y avait de la difficulté à comprendre son message parce qu'ils l'écoutaient trop dans l'idée. OK, tu vas faire d'Israël un royaume, puis là, là, on va se débarrasser des Romains, et puis là, on va gagner, puis là, c'est nous autres qui va dominer le monde. Le Saint non, 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 non. Comprenez? Les gars, ils comprenaient comme ça. Ils, ils, on écoute trop souvent, puis on lit trop souvent notre Bible dans notre compréhension naturelle, puis on essaie de confirmer notre idée, plutôt que vraiment d'être instruit pour vrai. Ils n'arrêtent pas de nous dire, ces gars-là, ils n'ont rien reçu ici. De la même manière que nous, le Seigneur va s'occuper de nous ici, mais ce n'est pas ici que ça va être réglé complètement. Ici, par contre, on doit s'encourager ensemble de savoir que de jour en jour, on est de plus en plus proche de la solution finale. Le Seigneur s'en vient nous chercher. Pas bénissant. Il s'en vient nous chercher. La fin du monde, pour quelqu'un qui n'a pas d'espoir, c'est capotant. Mais pour nous autres, ben c'est la fin d'un monde que Dieu a déjà jugé en partant dans le Jardin et qui a fait la promesse en partant. Et c'est par la mort qu'il nous délivre, c'est pour ça qu'il a dit, empêchez-les d'approcher l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est la mort d'une vie pour ressusciter à une autre vie maintenant, à quoi on est appelé. C'est pour ça que même le bateau que Noé, comme je vous disais la semaine passée, qui a bâti, ben ça ressemble plus à un, à un gros cercueil. Et puis, il a accepté le jugement de Dieu sur sa création. Il a détruit finalement. Il a fait un jugement qui est une image du dernier jugement qui va arriver. Comme Pierre le rappelle, il dit, le Seigneur fait une alliance, il ne détruira plus le monde par de l'eau, mais le prochain déluge est un déluge de feu. Et donc, c'est en Jésus-Christ seul qu'on peut être sauvé. C'est lui notre arche. C'est en lui seul qu'on peut être sauvé. Et c'est pour ça que finalement, il faut se rappeler ces promesses-là sans arrêt. Ils ont vécu avec Dieu, mais ça a complètement déstabilisé leur perception naturelle. Pour commencer à bâtir maintenant avec une compréhension spirituelle. Mais pour comprendre les choses du Seigneur, il faut demander au Saint-Esprit. Maintenant, Jésus nous a fait une promesse. Il a dit à ses propres disciples il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, le Père va envoyer le Consolateur. Le Saint-Esprit va venir maintenant. Jésus était à côté d'eux. Mais là, après ça, il dit, moi et mon père, on va venir faire notre demeure en vous. Et là, Paul dit, c'est maintenant le peuple de Dieu qui marche humblement devant le Seigneur dans l'attente de lui. Il nous a promis qu'il était pour illuminer notre entendement. Et comme le proverbe un des psaumes le dit, c'est dans ta lumière qu'on voit la lumière. Donc, c'est vraiment encourageant cette histoire-là. Moi, je trouve ça fascinant. Parce que ce n'est pas des gens qui ont été capables par eux-mêmes. Et trop souvent, moi, j'avais été élevé dans une foi chrétienne qui parlait toujours des saints comme étant des gens qui ont été exceptionnels. Tu sais, je ne sais pas comment ça a été pour vous autres, là, mais moi, c'est comme ça que j'avais été élevé. Puis, tu sais, les images qu'on avait d'eux autres tout le temps, c'est qu'il y avait un genre de 60 watts autour de la tête. Là, tu sais. Et puis, finalement, ça jeûnait, et puis c'était des gens exceptionnels, puis tout ça, tu sais. Mais moi, quand je regardais ma vie, moi je me rappelle les premières fois que, quand j'étais petit, j'allais à, à la confesse. Hein? puis le curé nous avait dit là, moi le Seigneur m'a donné le pouvoir de dire vous mettez au péché, moi j'ai le pouvoir de vous pardonner. Il dit ça, c'est comme si moi j'ai une grosse efface là, puis vous avez fait des erreurs dans votre petit cahier là à l'école, et puis je peux effacer. T'sais? Puis moi, ça me faisait peur ça, cette image-là, parce que des fois, quand j'effacais dans mon petit cahier, ça, ça déchirait la page. <laughs> Je ne pas qu'il déchire mon cœur. <laughs> ça fait que je disais tous mes péchés, puis des fois, j'en exagérais certains, ou d'autres, je n'en disais pas. Puis à la fin, je, je finais toujours avec le dernier péché, et j'ai aussi menti. Fait que ça, ça éclairait toute l'affaire. La, tu comprends? <laughs> puis quand je sortais de là, il, fallait, il y avait une punition. Il disait allez prier, il fallait faire des, des Notre-Père, ainsi de suite. Puis je me rappelle, quand je sortais de l'Église, je disais toujours à Dieu écoute bien, là, là, le curé, il paraît qu'il me lavait, là, je suis propre. Là, si tu veux me tuer, c'est le temps. Attends pas jeudi, le dernier jeudi avant le vendredi qu'on s'en va se confesser, parce que Jean Ramon en chemin, Moi, être tout sale. C'est le temps de me tuer, là, là. À toi, à toi, vendredi que je sortais, on faisait le premier vendredi du mois, trois fois, je disais toujours à Dieu si tu veux me tuer, c'est le temps. Là, là, je suis bien propre. Tue-moi. Il ne m'a pas tué. Mais c'était encore une fois. Un évangile qui dit Oui, Dieu a donné la vie comme une semence, tiens, mais vous devez la faire croître par vos œuvres, et si vous en avez assez fait, vous allez passer le purgatoire et vous allez rentrer directement au ciel. La majorité des chrétiens de l'époque s'en allait pas au ciel. C'était de l'orgueil de dire va bon, aller au ciel direct Parce que quelqu'un pourrait dire Tu te prends-tu pour un saint Parce qu'un saint, c'est un élite. C'est comme un spirituel ultra spécial, sais. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'annonce l'Évangile selon la Bible en disant, c'est un don gratuit. Ben, je dis, oh, je sais, il donne, mais il paraît qu'il faut le faire croire. Non, non, c'est une imputation. Christ n'est pas mort en faisant nos péchés. Christ est mort parce que Dieu a mis à son compte tous tes péchés. Il est mort de la mort que tu mérites. Et il a dit qu'il était pour payer la dette et la preuve. Dans trois jours, il était pour ressusciter. Et c'est pour ça qu'entre nous, il faut rappeler au Seigneur en disant oh Seigneur, je veux me rappeler, je veux te le rappeler aussi, mais je veux me le rappeler à moi. N Oublie pas, si tu n'illumines pas mon entendement, il y a un danger pour moi de mal comprendre ce que c'est de marcher avec toi. Et surtout de me faire une mauvaise interprétation de ce que c'est de marcher avec toi. Et c'est pour ça, finalement, qu'on continue à organiser nos vies, à sortir le, la seule bonne nouvelle pour l'humanité. Et puis, on n'a pas besoin d'être si phénoménal. C'est pour ça que finalement, ce n'est pas à cause de nous qu'on va être sauvé, c'est à cause de Christ qu'on a été sauvé. Et c'est supposé de désamorcer en nous l'esprit de vengeance, l'esprit de colère. Parce que notre justice propre, plus elle diminue, moins on devient menaçant, plus on a compassion des gens qui n'ont pas l'Évangile. Et on organise. Puis, en passant, je veux vous remercier énormément pour tout le temps, l'argent que vous mettez. Pour que finalement l'Église soit capable de rayonner continuellement vers l'extérieur, qu'on ne soit pas juste un genre de petit groupe interne, et puis qu'on ferme les portes entre nous autres, qu'on puisse rayonner justement tous les dons qui ont été donnés pour qu'on répare la chapelle là-bas à Macasa, puis qu'on invite tous les chrétiens, catholiques ou non, en disant Venez, on va vous prêter de votre bâtiment, il n'y a pas de problème. On veut se faire des amitiés pour qu'entre amis, entre chrétiens, on puisse réétudier la parole de Dieu ensemble. Pour voir, est-ce qu'on a bien compris? Parce que, qu'oubliez pas, toutes les églises, sans exception, on se fait des traditions. Et quelquefois, ils ne sont pas selon la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça, entre nous, de toujours être capable de revenir aux Écritures. Et puis, quand on va pouvoir prendre des temps questions-réponses, après le culte, on va manger ensemble, bientôt. Si on ta pizza, c'est ça, pour être sûr? <laughs> Donc, finalement, bientôt, on va pouvoir... Il commande la pizza, là fait que bientôt finalement on va pouvoir se retrouver dans une vie normale et puis on va reprendre des temps questions réponses le temps questions réponses ensemble c'est toujours pour brasser est-ce qu'on a bien compris le texte pour de plus en plus demander au seigneur éclaire-nous et c'est pas pour rien que le seigneur nous a fait la grâce aussi d'être associé à la faculté de théologie évangélique de Montréal pour que finalement on ait des bons profs sur place qui nous donnent surtout la science d'étudier la science d'interprétation apprendre l'hébreu le grec et puis finalement l'histoire de la doctrine. Je vous dis ça ça nous aide d'avoir un meilleur fondement pour l'interprétation des écritures. Donc on est vraiment béni. On va continuer à suivre le Seigneur, d'accord On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, c'est fascinant de voir que si on est ici ensemble aujourd'hui, c'est pas parce que ta parole nous le rappelle hein. Ce n'est pas parce que nous, on est meilleurs que les autres d'avoir cru en toi. C'est que tu nous as fait une grâce. D'abord, il y a des gens qui t'ont obéi et qui ont organisé leur vie pour qu'un jour, quelqu'un vienne nous annoncer l'Évangile. Et Seigneur Dieu, je te remercie encore énormément pour tout ce petit groupe qui était dans le camping dans le sud de la France, qui était organisé par le petit village de Codonia, qui avait décidé de prendre leurs vacances pour aller annoncer l'Évangile dans le camping. Même s'ils savaient que c'était peut-être pour gâcher leurs vacances, qu'ils étaient pour se faire moquer, rejeter, ridiculiser. Mais ils t'ont fait confiance, Seigneur. Et tu m'as amené là un jour. Et quand ils m'ont annoncé l'Évangile, qu'ils m'ont montré selon ta parole que c'était un don gratuit, Seigneur, tu as complètement, toi, changé ma vie. Et merci de m'avoir mis sous ton aile. Et d'avoir pris le temps, Seigneur Dieu, toi-même, de me montrer comment je peux te faire confiance. Tu es vrai et vivant, Seigneur Dieu. Tu n'es pas juste une philosophie. Tu es vraiment réel. Seigneur, on peut juste compter sur toi pour que notre foi s'enracine de plus en plus en toi et non pas dans nos mérites ou dans nos capacités intellectuelles. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais de nous, encore une fois, de continuer à ce qu'on puisse rayonner. Au Québec, autant en Haïti, en Afrique, peu importe où tu nous envoies. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, aussi développer une bonne communion fraternelle avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur et de ne pas être des petites entreprises qui essayent de se voler les membres les uns des autres. Fait que, Seigneur, merci de bénir notre marche avec Toi et de continuer à illuminer notre entendement, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'on marche dans Ta lumière dans un monde de ténèbres. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde.